Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et merci d'être nombreux. Encore une fois de plus d'être là et d'être nombreux pour décider finalement de me suivre. Merci d'avoir ouvert cette vidéo. Si vous êtes là pour la première fois, il fait beau à Johannesburg, mais il fait maussade à Goma. À 20 km de Goma, le M23 est là. Ils avancent ou ils reculent? C'est le phare de ceux qui avancent ou c'est le phare de ceux qui reculent? Pendant ce temps-là, à Kinshasa, on tergiverse. Nous avons deux médiateurs. Un, le pays de l'ACE, M. Uhuru Kenyatta, et l'autre, du pays de SADC, qui est Joao, le président de l'Angola. Le problème, je peux dire qu'il est grave. Le problème mérite des solutions. Pourquoi y a-t-il des médiateurs? C'est parce que le médiateur vient vous réconcilier. Mais Kinshasa hausse le ton, il n'y aura pas de négociations. Alors, dans cette émission de Contact Pro Live, nous allons vous amener dans cette ambiance-là, où nous vous amenons sur un terrain où c'est comme si personne ne veut pas bouger les lignes. Les lignes ne bougent pas finalement. Mais comme je vous ai toujours dit, nous sommes là pour des solutions. Donc là, nous allons vous donner notre point de vue. Nous allons vous proposer une solution qui peut nous réconcilier sans toutefois nous négocier. Et c'est cela à quoi Kinshasa doit jouer. Si Kinshasa vraiment veut résoudre ce problème ici, il faudrait y aller avec une solution sans négocier. Voilà un peu ce qui va constituer l'ossature de notre émission d'aujourd'hui. Donc, merci encore une fois de plus de ceux qui sont en train de s'intéresser et de s'abonner. Avant d'aller un peu plus loin, donc, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Les M23 à la porte de Goma, Kinshasa, on négocie, on tergiverse et on hausse le ton. Pas de négociation. À tout à l'heure. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Malaise au sein du parti présidentiel à quelques mois des élections. Et puis, on parle de la chute. Lomami, une marche de soutien au phare d'essai annoncé à Cabinda. Et PST, c'est ton fort ministre Tony Mwamba contre le monnayage de contrôle des dossiers des finalistes. On va sur actualité.ca. Procès Kabound. Après le refus par la Cour de cassation de sursoir à son exception institutionnalité, la partie prévenue saisit la Cour constitutionnelle. RDC, près de 110 128 personnes vivent encore dans près de 139 villages occupés par le M23. Congo profond, agression de la RDC, le gouverneur Kabila annonce une grande marche de soutien au phare de ce jeudi à Lubumbashi. Réponse d'Ecobank, RDC essaie, face aux allégations infondées, paris dans la presse en ligne de Kinshasa et relayé par plusieurs médias sociaux. On va sur 7/7. Agression rwandaise, Adel Kainda et ses chrétiens exigent la levée des mesures portant notification de l'achat des armes. Et puis, toujours, Lutundula révèle que la demande faite par la RDC sur le levée des obligations de déclarer la vente d'une catégorie d'armes est sous examen à l'ONU. On termine par Radio Okapi. Kinshasa et Sidé dénoncent des violations sur ses membres venus l'accueillir Martin Fayoulou à l'aéroport. Modeste Moutinga appelle à la mobilisation des ressources pour répondre aux urgences humanitaires dues au conflit. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, donc c'est ça l'ambiance à Kinshasa. Uhuru est là, il consulte pratiquement les acteurs qui devront en principe aller à Nairobi, pour les négociations avec les groupes armés. On parle des groupes armés, donc les négociations de Nairobi, comme vous connaissez,
c'était bien avec une négociation ou bien une parlotte avec les groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo. On parle des groupes étrangers, on parle des groupes internes, on diversifie. Finalement, on ne connaît pas exactement qui sont ces groupes armés et on ne sait pas les identifier. Même je crois que l'ONU, la MONUSCO avait identifié tous ces groupes armés. On parlait de 150 groupes armés qui opéraient à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, le M23 était déjà vaincu en 2013. Mais quand le M23 revient, ça prend pratiquement la grandeur de tous les groupes armés qui se trouvent donc dans la région de l'Est et l'Ituri. Donc, ces groupes armés-là, faudrait-il qu'on appelle tous les groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo pour aller reprendre les négociations à Nairobi? De quoi allons-nous parler à Nairobi? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore parlé? Mais les groupes armés en interne, par exemple, lorsque vous prenez la situation de 2014 jusqu'à peut-être 2022, il y a eu des solutions, il y a eu des propositions, il y a eu des talks, comme on dit, il y a eu des rapprochements de ces gens-là, mais nous avions vu que ce n'était qu'une alibi, ce n'était que éphémère ou bien un blind eye, comme on dit. Donc on a fermé les yeux à résoudre les problèmes des groupes armés par la MONUSCO. La MONUSCO pendant longtemps a décrié cette histoire en disant que si vous voulez terminer ces histoires de massacre à l'est de la République démocratique du Congo, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut. Kinshasa n'a pas voulu appliquer toutes ces méthodes, ce que l'ONU a proposé ou bien la MONUSCO proposait. Ou bien Kinshasa avait des difficultés à appliquer même les résolutions qu'avait signées avec le M23 en 2012-2013. C'est ça que nous nous posons comme question. Donc nous sommes toujours en train de tergiverser sur les solutions à appliquer afin de terminer cette guerre. Cette guerre, c'est une guerre économique ou bien cette guerre, c'est une guerre interne d'identité ou bien une guerre interne pour la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, la justice en République démocratique du Congo, l'identité même congolaise. Est-ce que c'est une guerre comme ça? Parce que lorsque nous regardons de près, on se pose la question, qui sont derrière les groupes armés? D'abord, à part le M23, parce que le M23, nous savons que non, le M23 sont supportés par les Rwandais selon le gouvernement de Kinshasa. Alors, qui sont supportés les autres groupes armés, les CODECO et tout ça? Ça, ce sont donc des terroristes ou bien ce sont des groupes armés? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence qu'on appelle les terroristes et puis des groupes armés? Y a-t-il une différence? On appelle aujourd'hui les M23 comme des terroristes et tout ça. Est-ce qu'elles sont différentes des CODECO ou bien des ADF ou bien tous ces autres noms-là, les Kamwena Sampwe, tout ça qui ont pris les armes, ceux qui sont à Kamituga, ceux qui sont dans le Burega, ceux qui sont dans les Ngoumino et autres, sont-ils différents? Mais on a dit que le M23, ce sont les terroristes et qu'on ne négocie plus avec les terroristes. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec notre gouvernement? Où est le problème avec le gouvernement? Maintenant, aujourd'hui, le M23 a comme mission peut-être de prendre la ville de Goma. Parce que tous les week-ends ici, et jusque même le lundi, on était pratiquement à la porte de Goma, à 15 ou 20 kilomètres de Goma, où on attend, même ceux qui sont à Goma commencent à entendre les bruits des canons. Mais on dit que non, le FARDC, on nous parle de FARDC qui résiste. Est-ce que le FARDC doivent résister ou bien doivent attaquer l'ennemi? C'est ça le grand problème et le réel problème, si c'est ce que nous posons comme question. Sommes-nous en train d'attaquer ou bien sommes-nous en train de subir? Bon, à vous de prendre les choses comme ça. Alors, nous nous sommes dit, quelle est maintenant la solution? Quelle est l'issue que nous devons prendre? Qu'est-ce que Kinshasa doit faire en principe pour terminer cette histoire une fois pour toutes? Relisons d'abord en quelques minutes les revendications de ce M23-là.
Ça, ce ne sont que les revendications des M23. Donc, allez-y combattre les M23 et les Codeco et les Ngoumino qui sont dans le sud Kivu et tous ces groupes armés. Donc, vous allez vous concentrer à se dire que non, nous allons négocier avec les M23 ou bien vous allez négocier dans l'ensemble avec les groupes armés qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ça la question. Nous, nous nous sommes dit, le gouvernement doit faire un choix. Ne pas chercher la solution en allant s'affronter avec ces gens-là. Ça, c'est la solution que nous proposons ici. Le gouvernement central ne peut pas aller affronter ces gens-là. Laisser la population se prendre en charge. La population doit se prendre en charge. Et vous, le gouvernement, vous devez venir avec ce plan que nous allons vous dire ici. Le plan que nous allons vous donner ici, c'est le plan que nous pensons que ça doit être un plan global sur la République démocratique du Congo. Encore ici, il nous est donné encore une opportunité, surtout au président Félix Tshisekedi. Voici encore une opportunité. Au lieu de continuer à crier à la mobilisation, la mobilisation du peuple congolais, à supporter tout ça, le faire baisser tout ça. Êtes-nous sûrs? Sommes-nous sûrs vraiment que nous allons gagner cette guerre par la voie militaire? Parce que nous n'avons pas réussi à terminer les massacres à Beni, dans l'Ituri. Allons-nous vraiment vaincre cette guerre ici à Kibumba? Ça fait déjà 3 mois que nous ne sommes pas en mesure de récupérer Bunagana. Et c'est ça qui fait même assez qu'on tergiverse à Kinshasa. On ne sait pas s'il faut aller dialoguer, on ne sait pas s'il faut négocier avec les partenaires ou bien il faut... Donc Kinshasa est hésitant et vous l'avez ressenti dans le discours du président de la République. Il n'a pas une ligne à suivre. Il s'est dit peut-être c'est les négociations, peut-être c'est la diplomatie, peut-être c'est la guerre. Si nous étions sûrs avec ce que nous devions faire, si nous étions sûrs que nous allions gagner cette guerre, disons cette guerre par la voie militaire, et donc nous devions avoir une armée très forte et que nous pourrions balayer tous ces gens-là en disant que nous allons prendre le dessus. Ça ne suffit pas de dire que nous allons gagner la guerre pendant que nous sommes faibles sur le terrain. Ça ne suffit pas d'envoyer des gens, d'envoyer les gens sur les réseaux en disant « Nous venons, venez !» Est-ce que le problème de FARDC a été résolu pour que nous puissions avoir une certaine enrôlement massif dans l'armée? Qu'est-ce que nous allons donner? Comment est-ce que nous allons organiser ces gens-là qui viennent s'enrôler massivement dans l'armée? Est-ce que nous avons un problème d'effectif dans l'armée? Là, nous sommes dans l'angle où je vous parle en disant que non. Sommes-nous vraiment capables de dire que non, nous n'allons plus négocier et nous allons y aller par la force? Nous allons faire taire les armes par la force et nous allons récupérer Bunagana et toute notre par la force. Sommes-nous sûrs de ça? Et à ma connaissance, dès que je suis en train de voir comment est-ce que Kinshasa est en train de se comporter vis-à-vis de ce problème de l'Est du pays, nous sentons que nous ne sommes pas sûrs de là où nous sommes en train de partir. C'est-à-dire, l'option que nous devons prendre et y rester, et y nourrir, et y aller, nous n'avons pas ça. Parce que même sur le niveau diplomatique, lorsque nous allons de l'autre côté dans du niveau diplomatique, le président lui-même a dit que ça a échoué, la diplomatie a échoué finalement. Et qu'est-ce que vous cherchez? Pendant que ce n'est plus lui qui va négocier, mais ce sont les envoyés. C'est pour cela que je parlais de médiateurs. Les gens qui viennent convaincre Tshisekedi afin qu'il puisse parler avec le rebelle du M23. Or, le problème, c'est le Congo est grand. Le Congo ne peut pas commencer à aller négocier avec un certain nombre de personnes ou bien un groupe armé en disant que non, nous allons vous... Sinon, ça ne sera plus le M23 demain, ça sera Codeco qui peut-être viendra avec l'armée ougandaise ou bien l'armée sud-africaine ou bien quoi que ce soit. Et le cycle continuera. Quelle est la solution maintenant? Parce que je vous ai dit ici que dans cette émission, nous allons vous donner une solution.
Alors, de notre côté, voici ce que nous pensons qui peut nous sauver pour l'instant ici. Je vous ai déjà dit qu'il faudrait que dans les négociations, ou bien dans le pourparler, il ne faut plus que Kinshasa négocie avec qui que ce soit. Que Kinshasa se concentre pour résoudre le problème des Congolais une fois pour toutes en mettant les Congolais d'accord. Et qu'est-ce qui peut mettre les Congolais d'accord aujourd'hui? Ce n'est pas en appelant à la mobilisation, quoi que ce soit. Nous devons chercher un point d'accord qui peut nous mettre tous d'accord en disant « Voilà la solution qui peut nous arranger tous. » Parce que nous allons nous mettre tous sur le même point de départ en disant « Bandeko, ba élection, ko salema, eko pe sabiso solution te na makamboa est, ni na makamboa insécurité, minimum na makamboa gouvernance. » Parce que le M23 réclame quoi? Il réclame une bazolo ba ba négociation ya ba contrat minier, bazolo ba cessation ya ba force négative, bazolo ba protection à toutes les minorités. On se pose la question ba minorité ngo banane za ba tous kaka nde ba minorité. Bongo ba hindu, ba banande, est-ce que banande baza majorité? Ne sont pas aucun tribu qui est majoritaire. Alors, toutes ces histoires ici, je vous les donnerai vraiment dans une émission spécialisée, samedi ici, ce samedi, où nous allons parler effectivement de toutes ces revendications du groupe M23. Or, que ça peut s'appliquer, il peut y avoir une solution que je vous dis ici, cette solution-là doit être globale. Et que je vous dis, la première des choses, c'est qu'il ne faut plus que Kinshasa puisse négocier directement comme gouvernement avec les gens du M23, sinon nous allons perdre. Prenez tout un programme global de la République démocratique du Congo et maintenant s'assurer à ce que vous allez appliquer ce programme-là et avoir une chronologie d'application. Pourquoi? Parce que je vous dis ceci, le gouvernement avait dit avec DDRC, tout ça qu'il va créer pour que les gens quittent les groupes armés pour qu'ils puissent être réintégrés. Ça n'a jamais été fait, ça les matait. Batouana pe babima na bazamba bazonga bakuta boelo komo kote bakomi kolala nzala, ils se sont décidés de rentrer dans la brousse. Et donc biso ba congolais to banda kelo koto silisaka yango te. Cette fois-là, c'est comme ça que je vous ai dit, pour que les choses aillent de mieux, il faudrait qu'il y ait un programme global et que ce programme là puisse être en train de se passer au bas Congo, en train de se passer à l'Équateur, en train de se passer à Irumu. C'est cela qu'on dit rétrocéder le pouvoir à la base. C'est-à-dire que les gens doivent se prendre en charge. Il faudrait que les députés au Est, les députés à Nord Kivu, les députés à Masisi, les députés à Yabutembo, les Zonga na Bituka na Bango, qu'ils n'aient pas peur, que ces gens-là puissent aller négocier avec eux. Moi, je pensais, c'est comme ça que je vous ai dit dans mon dernière émission en disant, quand j'ai vu le président de la République recevoir les dirigeants à l'expression Tutsi chez lui, je pensais que peut-être qu'il y aura une déclaration dans ce sens-là en disant que ce n'est plus le gouvernement qui va aller négocier avec ces gens-là, mais nous allons vous inclure dans un programme global de la République démocratique du Congo en leur disant que ceci, Bandeko, nous sommes en train de rétrocéder le pouvoir pour mieux contrôler notre pays. Et c'est cela dans un programme où nous avions dit le programme de 145 territoires. Nous, ici, à Contact Pro Live, nous avions dit le programme de 145 territoires était un programme d'abord de réconcilier le Congolais avec lui-même. Les Congolais, en se réconciliant avec lui-même, on allait
mettre en place tout ce qui n'a pas marché pendant ces 60 ans de notre pays et tous ces 18 ans, tout ça, tout, on allait les décortiquer afin d'obtenir un nouveau texte, une nouvelle constitution qui nous amènera à l'identification des Congolais, à la rétrocession du pouvoir à partir donc de la base. Donc chaque territoire devra être contrôlé effectivement. Parce que pour l'instant, le gouvernement de Kinshasa, ils doivent dire que non, to meka ki to kokite. Na modèle yo bandeko, il faut toyo kanana nu bisonyo surtout. Ba congolais nyoso ba vanda toyo kana kibokonzi ango to bando sala ngo ndenge ni. Parce que kibokonzi o ezale lo, ezako permettre te que non, ba to belé ba se retrouver. Et yango ne fallait to bande la zéro to banda na nuko vanda na kati ya bituka na biso chaque batu na bituka na bango ba vanda bokomona ba M23 wa kozanga mtu akoyako kendo kokobeta na ete. Et ça va se passer comment dans les saisons là? C'est ainsi que nous sommes dit eza makambo ya ko kabolambo kate. Eza likambo ke batu ba kende kosolola pour un nouveau Congo. Dans nouveau Congo wana, batu wana bakosolola pour la constitution asika. Po ba desele, ba makambo nyoso tribalisme soki ezalaki ko régner soki batu wana bande koyokana te. Batu wana ba kende kososola ngo na bituka na bango. Ainsi donc ce programme là, c'est comme ça que nous sommes dit, il faudrait avoir un gouvernement qui sera peut-être celui qui est là, mais mission na ngo président de la République à définir ngo na koloba ke non. Mission pour l'instant gérer tout, d'abord organiser le pouvoir, d'abord tout ça la tour est organisé sur tous les plans. Cela peut nous prendre 6 mois, cela peut nous prendre une année. Ma kamboaba élection l'année prochaine exacte. Et donc il remet le parlement bazonga na batuna batuba zonga na bituka na bango. Ainsi donc à l'est de la République démocratique du Congo, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, ba province wana ezana bakati ya ba problème, batu na batu, oh place oh ba banani ba groupe armé bazali, faire de ce qu'on se retire, qu'on va créer de ce côté là quelque chose qu'on va appeler une police de proximité, oh eko banda ko sala eko assurer na nous sécurité pendant que batu bazo solo là. C'est ça que nous pensons que ça peut nous faire sortir. Or, ce qui Kinshasa a sali erreur, batwana bakoki koya kobanda kozwa ba ville na biso moko ti bakoko ma Kinshasa. Parce que il suffit kaka front ya liboso na ebisa kibino front o eza na kati ya Goma na tombe kaka pa faire de sens que perdre wana et ko koma neti boule de neige. Ça se fera comme ça s'est passé en 1996 tangu faire des scènes à côté ya le maire à Kula tangu bakwei et sili bagoma babukavu bogoma ekomi ko tomber et ko kende ba militaire ba bandoki ma parce que ils ne seront plus organisés. Alors il faut faire attention to koma place wana. C'est pour cela qu'il faut prendre une mesure globale à koloba biso to boy ko solana bino. Ceux qui bolobi bozaba congolais, venez participer maintenant à la reconstruction de notre pays, mais dans vos territoires. Alors bino batu bosimba mandoki, bino batu bozana côté kuna na ba député o bazana parlement sikoyo, allez-y bokende ko solola poto bongisa makambu o bozako réclamer awa bo réclamer, il faut bo participer na banani nyoso plan ezandenge nini de façon que mutu akoki jamais koyaka na masasi aya ko se deka alo bakia ko za la ministre ou bien ko sala boy. Non, na plan wana yango tozoloba na kati eloko na nous avions dit que nous allons former une armée républicaine oyo 145 territoires nyoso fo ba participer na nani wana. Et vous allez voir à ce moment là ezali sousu question te que non biso tozo kende ti de Kinshasa to na non. On va vous appeler effectivement sur la table de négociation. Comme eux, ils disent que non, Bango Baza pour la paix. Oui, nous sommes. Mais ce n'est plus Kinshasa qui va gérer notre pays. Nous devons nous mettre d'accord. Qu'est-ce qui n'a pas été au niveau même de la base à Koloba
pouvoir na nous awa na base tokozala na ngo ndenge nini. Comment est-ce que nous allons envoyer nos gens? Et chaque territoire maintenant c'est cela où nous allons mettre l'équilibre régional, na ba équilibre territorial, na ba équilibre nyoso ya ba territoire nyoso o za koloba ke no tozotinda batu na biso na kati ya gouvernement central, na kati ya ya gouvernement provincial ou bien na territoire na biso na ndenge nini tozo gérer yango. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Le projet de 145 territoires devrait être un projet où nous allons réécrire notre constitution, où nous allons commencer par nous identifier. Ba identification on a des qui permettre que ba toi na ba tumso ba habite. Bozo bundal sur na Kinshasa pour nani? Parce que Kinshasa te mutoza ko gérer et ko banda ko gérer. Nous sommes en train de proclamer un nouveau Congo où nous allons tous gérer, où mutu na mutu sikoyo makambo to bolobi awa to ko examiner ngo. Mais il faut que qu'on commence à l'examiner au niveau de la base. Ainsi donc, si vous voulez contribuer au développement de notre pays, si vous voulez contribuer au développement ou quoi que ce soit, na mando ki na bino bo simba na ngwana, allez-y dans chaque territoire où Bozali, ceux qui Bozana Katia territoire à Routour, allez mettre d'abord la paix là-bas. Batuna nous bati à peine à Katina Bango. Au Komona, neti bakad de kokote anania, ya Isiro, kuna bakote anania, ya Bunia, kuna batuana nyoso. Place makambwa mabe zali, place ba groupes armés zali, toko benga batu nyonso wana ba groupes armés, toko kendesu na Nairobi te, ba politicien na kati ya chaque territoire to vandi to lobi, awa toza ko réfléchir pour un nouveau Congo. Alors nous avons le pouvoir ici d'organiser notre identification, nous avons le pouvoir de akota landengeni na administration na biso kotambola, toza na pouvoir ya ko nommer bato ba okena province, toza na na pro. C'est comme ça que nous nous sommes dit na émission, nous na ko expliquer bino, comment est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord afin que territoire d'abord ce qu'ils ont maîtrisé au niveau sécuritaire, au niveau économique, au niveau administratif, batunyon sont tout maîtrisé na nona na territoire toi comme masiko batuna katia province. Ainsi il doit y avoir un plan chronologique. C'est comme ça que j'ai dit président Fatih aujourd'hui, au lieu de s'embourber, oh batu wauti Luanda, oh batu, réfléchissons sur un plan de sortie. Oh naza koyebisa bino awa pour que ba congolais ba solo la entre bango, pour que le vrai congolais puisse se parler lui-même. Réconciliation et kendenti na congolais, le congolais lui-même entre tobima to solo la, parce que ces gens là combattent Kinshasa, ils veulent contrôler Kinshasa pour qu'ils prennent le pouvoir. Oh eza ko sala développement na mboka na bisoté. Le pouvoir qui est maintenant à Kinshasa ne peut pas nous amener le développement. Ça ne peut pas nous réconcilier. Il faudrait que tozala na ba tactique moko ya koloba ke non. Nous avons rétrocédé le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui décidera. Mais voici comment ça va se faire. Je crois que vous m'avez suivi. Nous allons nous arrêter ici. Et si vous êtes là pour la première fois, veillez vraiment vous abonner, parce que c'est l'idée principale que nous sommes en train de vouloir faire connaître à ceux qui ont décidé. Tant que vous avez changé le mécanisme, vous avez appliqué l'idée. Nous nous sommes convaincus que si nous le faisons de cette façon-là, mboka na biso kolongana na kati ya nani ya mizozo nyoso eza na kati. Alors, je vais vous demander vraiment, si vous avez aimé, laissez des j'aime, abonnez-vous encore nombreux une fois de plus. Je vous appelle à vous abonner sur cette chaîne. Batebele bozotalanga botalanga kaka bopesa nga mbote me bosabona kate. Abonnez-vous pour émission na biso monana. Ba ide na biso kende musika. Voilà. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. J'espère que vous avez aimé et passez une bonne journée. Au revoir.